C'est encore un anniversaire, chers téléspectateurs, qui va me fournir la matière de mon sujet d'aujourd'hui. Nous célébrons en effet le 5e centenaire de la mort de Léonard de Vinci, survenu en 1519 au manoir du Clos Lucé près d'Amboise, et nous aurons à la rentrée une grande rétrospective au Louvre consacrée au grand maître italien. Alors, ce personnage, évidemment, est un des géants de la Renaissance, doté d'une activité prodigieuse, esprit universel qui s'est consacré à des domaines extrêmement divers, mais qui garde encore une part de son mystère aujourd'hui. C'est un Toscan qui est né à Vinci, à une trentaine de kilomètres de Florence, le fils naturel d'un notaire et d'une paysanne, mais son père, Ser Piero, qui a été marié plusieurs fois, l'a confié à son épouse, qui a été une belle-mère donc pour Léonard, qui s'est bien occupée de lui et de son éducation. Et le jeune homme va être confié en 1467, alors qu'il est âgé de 15 ans, au grand artiste florentin de l'époque, Verrocchio. Il va travailler donc dans son atelier à partir de 1467. Là, il va acquérir une formation polytechnique, dira-t-on, puisqu'il va se former comme artiste à la fois à la peinture, à la sculpture, aux arts décoratifs. Le jeune homme est tout à fait prometteur et à l'âge de 20 ans, il est admis dans la guilde des peintres de Florence. Il restera auprès de Verrocchio jusqu'en 1479. À partir de cette époque, il prend son autonomie. En 1481, il peint une adoration des mages remarquée, puis il va quitter Florence pour Milan. Alors, a-t-il été envoyé à Milan par Laurent de Médicis ou a-t-il été directement sollicité par Ludovico Sforza? On n'en est pas absolument certain, mais en tout cas, il va se retrouver en Lombardie à la cour de celui que l'on surnomme Ludovic le Mort. Il doit réaliser une gigantesque statue équestre du duc Sforza. C'est sa mission principale, sa mission officielle à partir de ce moment. Une grande statue équestre en bronze qui devait orner la cour du palais Sforza de Milan. Mais Léonard va se consacrer aussi à d'autres travaux. Il va ainsi réaliser un retable pour la confrérie de l'Immaculée Conception, qu'il lui a commandé pour son église San Francesco. Il va réaliser dès cette époque sa Vierge au Rocher conservée au Louvre. Il va être requis pour travailler à la réalisation de la coupole de la cathédrale de Milan, mobilisé également pour travailler à la cathédrale de Pavie. Et en dehors de ces travaux de peintre, de sculpteur, d'architecte, eh bien on fait également appel à lui pour organiser des parades et des fêtes comme on les appréciait dans la vie de cour d'alors. Il s'intéresse aussi aux questions d'urbanisme, trace les plans de cités idéales. Il s'intéresse également à tout ce qui touche au domaine de l'hydraulique pour assécher les terres marécageuses, canaliser des cours d'eau eau crue jugée dangereuse. Dans le même temps, il sillonne les Alpes et se consacre aussi à l'étude de la géologie. Sans oublier un intérêt précoce pour les mathématiques, développé après les contacts qu'il prend avec Luca Pacioli, l'un des grands mathématiciens du temps, à partir de 1496. Il commence à rédiger un traité de la peinture qui devrait théoriser en quelque sorte l'art nouveau qui est en train de se mettre en place. Et puis,
plus concrètement, il va réaliser pour le réfectoire de Sainte-Marie-des-Grâces la scène, une fresque majeure qui va assurer sa célébrité. Son ami Luca Pacioli va d'ailleurs lui rendre hommage en 1498 dans son traité sur la divine proportion. Léonard apparaît à ce moment comme un véritable maître de l'art nouveau. Mais il est rattrapé par la grande histoire, car c'est le temps des guerres d'Italie, à partir de 1494. Milan est occupé par le roi de France Louis XII en 1499. C'est la fin de la dynastie des Sforza. Et Léonard est évidemment affecté par tous ces bouleversements. On va le retrouver à Mantoue. Il va réaliser son portrait d'Isabelle d'Este. Il va faire un bref séjour à Venise, puis revenir à Florence de 1502 à 1506, à part une courte parenthèse au cours de laquelle il va travailler pour César Borgia. Il réalise alors ses portraits de Sainte-Anne et puis la célèbre Mona Lisa que nous connaissons sous son nom de Joconde. Il travaille à un tableau géant consacré à la bataille d'Anghiari entre 1503 et 1505. Mais à côté de ses travaux d'artiste, il y a aussi tout le travail qu'il effectue comme ingénieur militaire au service de ses différents commanditaires. Il travaille sur des projets de fortification dans le Val d'Arno, continue en parallèle à avancer sur son traité de la peinture, va se partager après 1506 entre Milan, où il est le protégé de Charles d'Amboise, le conseiller du roi de France Louis XII. Il se partage donc entre Milan, Florence également, où il va s'attaquer au projet d'une statue équestre du condottiere Trivulzio. Et puis ensuite, ce sera une deuxième version de la Vierge au Rocher, mais en même temps, en parallèle, toujours un intérêt pour les sciences, l'anatomie, les mathématiques notamment. Il va quitter définitivement Milan en 1513, Milan conquise par la coalition anti-française. Il va se retrouver à Rome, où il va être protégé de Julien de Médicis, le frère du pape Léon X. Toujours des travaux en matière de mathématiques, d'optique, et quand Julien de Médicis meurt en 1515, eh bien Léonard va quitter Rome, où de toute manière, en matière artistique, les maîtres du moment sont Raphaël et Michel-Ange. À la fin de 1516, il va accepter l'invitation du roi de France François Ier, qui vient de remporter la grande victoire de Marignan. Eh bien, il va accepter son invitation de se rendre en France. Et en 1517, il arrive à Amboise, au manoir de Cloux, devenu aujourd'hui le manoir du Clos Lucé. Alors, il arrive là avec des fonctions officielles très importantes, puisqu'il est dit déclaré premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Et il se lance dans des projets tout à fait considérables. On le voit par exemple travailler au projet d'une ville qu'il était question d'édifier à Romorantin, dans le centre du royaume de France, c'est-à-dire en un endroit où François Ier avait rêvé d'établir une nouvelle capitale qui aurait été le produit de toutes les réflexions sur la cité idéale qui sont caractéristiques de l'époque. Il travaille là à la fois sur des projets d'urbanisme, également sur ces fameuses questions d'hydraulique qui le passionnent, puisque cette région de Sologne est une région où évidemment l'assèchement des zones marécageuses est un enjeu important. Il se consacre aussi à l'organisation des fêtes de cour autour de François Ier et s'impose très vite comme un acteur essentiel de la vie de cour d'alors. Il va mourir en 1519, on connaît le tableau fameux de Guillaume Ménageau, réalisé en 1780, où l'on voit François Ier qui vient l'accompagner dans ses derniers instants. Il s'agit d'illustrer
et d'exalter le rôle du mécénat royal, en réalité, c'est une scène qui n'a jamais existé, même si Ingres, lui aussi, l'a représentée dans un autre tableau ultérieur. Léonard disparaît donc en 1519. Nous connaissons assez inégalement son existence. La première source a été Giorgio Vasari avec ses fameuses vies des peintres et des artistes illustres. Il y a des sources également lombardes et toscanes supplémentaires, mais il y a encore des périodes de son existence qui restent encore mal connues, et ce n'est qu'il y a quelques décennies, par exemple, que l'on a eu connaissance du séjour qu'il a effectué à Piombino. Alors, que dire du personnage? Et d'abord, son aspect, son profil général. C'est quelqu'un dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il exerçait un véritable charme sur ses interlocuteurs. C'était quelqu'un d'extrêmement séduisant, dont la conversation était très recherchée. C'est quelqu'un que l'on représente souvent à un âge déjà avancé, hein, c'est le fameux autoportrait de Turin de 1512. Hein. En fait, on veut le représenter sous l'image d'un vieux sage qui correspondrait à ce que l'on peut imaginer à l'époque être un philosophe antique. D'ailleurs, certains pensent que dans son école d'Athènes, Raphaël a donné les traits de Léonard de Vinci au philosophe Platon. Il a servi, on l'a dit, différents commanditaires, Laurent de Médicis à Florence, Ludovic le Mort, le Sforza à Milan, le comte de Ligny, un cousin de Louis XII, également à Milan, César Borgia pendant un temps, Charles d'Amboise, conseiller de Louis XII également. Il a toujours su s'attacher ses protections, et ceux qui étaient ses commanditaires ont toujours reconnu ses qualités et ses talents. Il a su imposer ainsi cette figure de philosophe technicien, de sage magicien, diront certains, hein, une figure qui était chère aux philosophes néoplatoniciens et aux humanistes de la période. Au passage, on peut signaler qu'il n'y a guère de doute quant à son homosexualité. Hein, il fut dénoncé même en 1476 à Florence cela lui valut quelques inquiétudes, quelques ennuis. C'est une réputation qui l'a suivi ensuite à Milan, alors qui a donné ensuite lieu en 1910 à des réflexions de Freud sur la question pour le moins discutable. Alors, pour ce qui concerne l'œuvre, Léonard a réalisé, pense-t-on, une trentaine de peintures, dont un tiers au moins a disparu. Il y a tout un débat aussi quant aux attributions qui sont pertinentes ou pas. Mais en plus, il a laissé une masse de manuscrits et de dessins qui concernent toutes les branches du savoir. Et tout cela nous est parvenu par l'un de ses disciples qui s'est approché de lui à partir de 1508, Francesco Melzi, qui va gérer l'héritage, en quelque sorte, de Léonard, qui avait fait de lui son héritier dans son testament d'avril 1519. Et Melzi, qui va vivre jusqu'en 1570, va être le dépositaire de tous ces documents provenant de Léonard. Il ne va pas véritablement maîtriser tout ce foisonnement de textes et de dessins, dispersés d'ailleurs aujourd'hui entre l'Italie, la France, l'Angleterre et l'Espagne. Tous ces documents ont connu des histoires compliquées. Par exemple, à l'époque du Directoire, à l'époque où les Français sont allés occuper derrière Bonaparte l'Italie, eh bien, tout le fond
léonardien de la bibliothèque ambrosienne de Milan, a été transféré à Paris. Ensuite, le Codex Atlanticus sera restitué après 1815. Mais tout cela pour signifier que les choses ont été assez compliquées pour tout ce patrimoine tout à fait exceptionnel, dont l'ensemble ne sera pas étudié de manière méthodique avant la fin du 19e siècle. On connaissait bien le traité de la peinture qui a été édité, publié à Paris dès 1651. Les notes relatives à l'hydraulique ont été publiées en Italie en 1826, mais le gros du travail ne sera véritablement engagé et mené à terme qu'au XXe siècle. Alors, quel est le bilan de tout cela? D'abord, dans le domaine de la science, du savoir, eh bien, les qualités d'observation tout à fait exceptionnelles de Léonard. Léonard qui voyait l'art de la figuration comme une branche en quelque sorte de la science, qui ne faisait pas de distinction même entre la peinture et la philosophie. Alors, les sciences auxquelles il s'est consacré, l'astronomie, nous sommes à l'époque où Copernic est en train de mettre en place un nouveau système du monde, hein. Les mathématiques, encouragées dans cette voie par Luca Pacioli que nous évoquions tout à l'heure, l'hydraulique, l'anatomie bien sûr, la mécanique, la chimie, toutes ces sciences suscitent sa curiosité. Mais il n'y a pas seulement l'observation qui le retient, il y a aussi la capacité à transformer les choses. Et Léonard va être un ingénieur aussi, un technicien, et nous a laissé à ce sujet une abondance de dessins et de documents. Hein, on connaît ses observations, ses études relatives à l'aérologie, à l'étude du vol des oiseaux, tout cela pour inventer des machines volantes tout à fait étonnante, pour réfléchir déjà à la création d'un parachute. Nous avons aussi tout ce qu'il a réalisé en matière d'anatomie, de géologie, je l'ai dit tout à l'heure, tout cela pour mettre en lumière ce qu'il appelait l'admirable nécessité de l'univers. Alors cette curiosité scientifique va de pair, on l'a dit, avec une production artistique, elle aussi exceptionnelle. Alors, avec tout le problème que pose la mise en forme d'un catalogue de son œuvre, car il y a beaucoup de débats sur l'identification de certaines peintures. On en a une quinzaine dont on est à peu près sûr, hein, dont les grands chefs-d'œuvre que sont la Seine ou la Joconde, par exemple. On remarque que c'est un peintre de tableaux religieux, peu de portraits, malgré la Joconde ou la Dame à l'Hermine du musée de Cracovie. Peu d'œuvres mythologiques, ce qui est un petit peu surprenant à l'époque, hein, dans le contexte de l'humanisme triomphant. Et puis surtout, une quantité exceptionnelle et une diversité exceptionnelle de dessins. Donc un bilan absolument remarquable. Et tout récemment, on a mis en lumière également le rôle qu'a pu jouer Léonard dans la conception initiale du château de Chambord, avec son plan centré tout à fait caractéristique, qui renvoie à ce que retenait généralement Léonard en ce domaine, hein, un plan centré autour d'un escalier central tout à fait original. Je renvoie d'ailleurs à ce propos à l'exposition qui va se tenir de mai à septembre au château de Chambord, intitulée « De l'utopie à l'œuvre, 1519-2019 ».
Alors j'ai grand plaisir à recevoir aujourd'hui, chers téléspectateurs, Monsieur Jacques Bressler, expert en matière d'art, mais aussi historien, qui vient de consacrer deux ouvrages à Arthur de Gobineau. D'abord dans l'excellente petite collection Qui suis-je, les éditions Pardès, donc un ouvrage consacré à Gobineau, et puis un ouvrage plus important en volume, qui est publié par les éditions Pierre-Guillaume de Roux, Lire Gobineau aujourd'hui. Alors, Gobineau, il faut bien dire que c'est un grand oublié aujourd'hui. Évidemment, comme il est connu superficiellement par son fameux traité consacré à l'inégalité des races humaines, évidemment, avec un sujet et un titre se présentant ainsi, on ne peut pas dire que l'idéologie dominante aujourd'hui lui fasse une place de choix. Mais derrière ce titre, il convient d'abord d'approfondir ce dont il s'agit. Et puis c'est aussi un personnage qui s'inscrit dans l'histoire de son temps, qui témoigne de l'évolution intellectuelle, de l'évolution de la sensibilité de son temps, et qui, à beaucoup d'égards, mérite qu'on le redécouvre aujourd'hui, d'abord parce que c'est un écrivain, je pense notamment aux Pléiades, et puis c'est quelqu'un qui a révélé d'une certaine manière à la France de l'époque, le monde de l'Orient, à travers son expérience de la Perse. C'est quelqu'un aussi dont on sait qu'il a été diplomate en Grèce, au Brésil notamment, où il a entretenu des rapports particuliers avec l'empereur Pedro II du Brésil. Donc, une figure qui mérite amplement l'intérêt que vous lui avez porté, et je crois que vous avez réalisé ça, réalisé là deux ouvrages particulièrement utiles. Alors d'abord, il faudrait peut-être rappeler quelles sont les origines d'Arthur de Gobineau, quelles ont été les premières étapes de son parcours. Tout à fait. Gobineau est issu de familles bordelaises et normandes, famille honorable, et il vit une enfance tout à fait normale, plutôt heureuse, une adolescence plus difficile, parce que très rapidement, dès l'âge de 14 ans, 16 ans, il se rend compte que le milieu familial n'est pas tout à fait ce qu'il aurait espéré, et surtout, il juge rapidement ses parents, ce qui est peut-être regrettable, mais il les voit très vite comme des personnes assez médiocres, et il a devant sa mère, qui est une dangereuse aventurière, il a un mouvement de recul qui l'amène très vite, il dira que c'était dès l'âge de 16 ans, qui l'amène à réfléchir au fond sur, comme il dit, le milieu dans lequel je venais vivre. Il est venu vivre dans cette famille dont il trouve qu'elle n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait, puis son regard s'élargit, pardon, il se tourne vers le milieu social dans lequel il vit, puis il se tourne même au-delà, vers la communauté nationale dans laquelle il se trouve, au fur et à mesure. Mais Gobineau, nous revenons sur sa jeunesse, mais c'est très important, en effet, c'est un regard d'anthropologue, et c'est un regard d'ethnologue, très précoce. Un regard critique. Extrêmement précoce. Un regard critique assez original pour son temps. Et de la constatation d'une certaine décadence familiale, paternelle, il n'a aucune crainte sur sa légitimité, mais il trouve quand même que quelque chose ne va pas dans ses rapports avec ses parents, ni avec sa famille en général, ni avec un cercle plus élargi de connaissances, ni avec la nation dans laquelle il vit. Et très rapidement, il trouvera qu'il y a une sorte de maladie sociale qui règne en France, mais aussi dans toute l'Europe. Et il va donc très jeune s'interroger sur les causes de cette maladie. – Alors il est séduit aussi assez jeune par l'Allemagne, où il a l'occasion de séjourner. – Exactement,
Exactement, et c'est très important. Ce qui est d'ailleurs relativement fréquent à l'époque, c'est l'époque du De l'Allemagne de Madame de Staël. Absolument. Il apprend l'allemand, de préférence à l'anglais. L'allemand, c'est la langue des philosophes, c'est la langue des savants, c'est la langue des poètes, alors que l'anglais, c'est plutôt la langue des marchands. Et donc, il a ce contact linguistique avec l'Allemagne. Il a un précepteur qui est un ancien étudiant de l'université de Heidelberg. Il ira en Allemagne, il va séjourner en Allemagne, et il ne fait aucun doute que ce premier séjour en Allemagne, au château d'Inzlingen, le marque profondément. Et toute sa vie, il sera tourné vers l'Allemagne. – Oui, et alors très vite, il va envisager une carrière littéraire, avec des débuts un petit peu incertains. Il entretient des relations avec Tocqueville, son compatriote normand, si l'on veut, et ses débuts parisiens sont… pour le moins hésitant. Très difficile. Le Gobineau littéraire, qui existe parfaitement, qui est important, parce qu'il faut lire et relire Gobineau aujourd'hui, parce que, premièrement, parce que c'est un écrivain important de notre 19e siècle, mais ses débuts sont laborieux. Et il y a, au fond, deux moments dans sa vie où il se consacre purement à la littérature, on va dire exclusivement à la littérature. C'est au début de sa carrière, de sa vie à Paris, pendant les 14 premières années de sa vie à Paris, où il va écrire des romans, des nouvelles, il va se disperser. Et sous forme de feuilleton, comme c'était souvent le cas à l'époque. C'est ça. Eugène Sue avait lancé la mode du roman feuilleton avec les mystères de Paris. Et il publie sous forme de roman feuilleton, ce qui n'est pas... très avantageux pour un écrivain, mais il doit gagner sa vie. Donc cette littérature où on trouve Mademoiselle Irnois, où on trouve Terre-Neuve, où l'on trouve Nicolas Bellavoir, l'abbaye de Tiphaine, ce ne sont pas des titres médiocres, et ce n'est pas non plus ce que lui-même pouvait attendre. Et il est en panne de notoriété, il est en panne de célébrité, c'est un homme ambitieux. Il a beaucoup d'allant, c'est pas un pur intellectuel, c'est un sportif aussi, Gobineau, il faut bien voir cela. Et c'est un homme gai, et c'est un brillant causeur. Il a des qualités mondaines. Oui, il a des qualités mondaines. Qui vont peut-être contribuer à sa vocation de diplomate. Ah, certainement. Qui va se... Certainement. Et s'établir à l'époque, parce qu'il va entrer dans cette carrière, et c'est ce qui va dominer en quelque sorte son existence quant à son activité courante. Absolument. Donc il y a ce premier moment, et il y a un second moment dans la vie de Gobineau où on retrouve la littérature, c'est à partir de 1872 jusqu'en 78, je l'évoque brièvement, avec son grand roman des Pléiades, Les souvenirs de voyage, qu'il publie en 1872, un recueil de trois nouvelles, inspirées par un séjour à Terre-Neuve sa mission diplomatique en Grèce. Et puis, en 1876, sont publiées l'œuvre peut-être la plus extraordinaire au plan purement littéraire de Gobineau, ce sont les six nouvelles asiatiques, qui sont réellement un chef-d'œuvre. À lire absolument, si l'on veut retrouver un peu ce qu'est, mieux comprendre ce qu'est l'Orient, comme vous le disiez tout à l'heure, ce que sont nos rapports avec l'Orient, le Proche-Orient, aujourd'hui. Et alors, le voilà donc diplomate, et il commence, je dirais, presque naturellement sa carrière, un petit peu en Suisse, et puis ensuite en Allemagne. – Alors absolument, grâce à Tocqueville, après 14 années qu'il a décrit lui-même comme des années de galère à Paris, il devient chef de cabinet lorsque Tocqueville est nommé ministre des Affaires étrangères en 1849. Et puis il entre ensuite, comme le cabinet Tocqueville ne fait qu'une courte carrière, il entre dans la carrière diplomatique. Il est premier secrétaire à la Légation de France à Berne. Puis il passera ensuite brièvement à Francfort. Et il sera finalement nommé premier secrétaire à Téhéran. C'est sa carrière diplomatique assez brillante, contrairement à ce qu'on a pu dire. Et de Téhéran,
Il reviendra en France, retournera comme cette fois-ci ministre de France à Téhéran. Toujours en Perse. Gobineau est donc un orientaliste de terrain. Il a connu l'Iran pendant des années et des années. Lorsqu'il nous parle de l'Iran, c'est quelque chose d'extrêmement argumenté, passionnant d'ailleurs, parce que c'est écrit dans son style tellement beau et tellement prenant. Et puis, ce qu'il nous dit est tellement prémonitoire. Il y a une vision tellement extraordinaire de ce que va devenir l'Iran, dont nous parlons presque quotidiennement aujourd'hui, que ce livre... qu'il écrira à l'occasion de son voyage et de son séjour en Iran, qui s'intitule « 3 ans en Asie », est quelque chose de remarquable que je conseille vraiment de lire. On le trouve encore aujourd'hui facilement. Lisons-le. – Il va faire 2 séjours en Perse, avec un voyage, le premier voyage, il va accéder par la mer, et un deuxième voyage, c'est par la terre, à partir de l'Empire ottoman, qu'il va se rendre… – Exactement. – Qu'il va se rendre en Iran, en Perse à l'époque, et il y a chez lui une véritable empathie avec ce monde iranien, avec ce monde de l'Asie centrale. Il va donner notamment un travail consacré aux religions et philosophies de l'Asie centrale qui va longtemps faire autorité. Il s'agit là d'un monde qu'on découvre à peine à l'époque. – Tout à fait, Gobineau, on peut dire, fait encore autorité. Et il nous donne un tableau de la société chiite, donc, puisqu'il s'agit de l'Iran, mais extraordinaire. Et tout ce qu'on peut lire dans cet ouvrage des religions et des philosophies dans l'Asie centrale, tout ce qu'on peut lire là est tout à fait actuel. C'est la modernité, l'actualité de Gobineau qu'il faut souligner. C'est ça, hein, à une époque où tout ce monde-là était perçu comme appartenant en bloc à un monde musulman qu'on imaginait avec toutes les dérives d'un certain orientalisme et on ignorait notamment ce qui pouvait faire l'originalité de la tradition chiite dans cet espace musulman. Absolument. On a compris depuis quelques décennies l'importance que tout cela pouvait revêtir, mais il l'avait perçu dès cette époque-là. Alors, parallèlement à sa carrière de diplomate, il y a une question évidemment qui l'intéresse en priorité, c'est toute la matière qui va fournir l'argument de l'essai sur l'inégalité des races humaines. C'est un ouvrage majeur, évidemment, dans l'œuvre de Gobineau. Alors aujourd'hui, le simple titre fait qu'il est immédiatement placé dans l'enfer des bibliothèques politiquement correctes, mais je crois qu'il convient de mieux préciser ce dont il s'agit. – Absolument. Donc entre ces deux moments littéraires, il y a dans l'intervalle, qui est très important, qui se situe entre 1849 et 1872, un intervalle important, il y a en effet un travail d'anthropologue et d'ethnologue, et c'est en fait l'activité majeure, principale de Gobineau. L'essai sur l'inégalité des races humaines, on a trouvé que ce titre, ceux qui ont lu le livre, les 1700 pages de l'édition originale, en 4 volumes. Oui, en effet. On a trouvé que ce titre, ceux qui ont lu ce livre, ont trouvé que le titre était très mal conçu, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas du tout d'un essai sur l'inégalité des races, il s'agit d'une interprétation du déclin des civilisations. Pourquoi les civilisations apparaissent? Comment apparaissent-elles? Pour quelles raisons? Et pourquoi meurent-elles? C'est en réalité ça le sujet du livre. Et c'est absolument passionnant. Gobineau, pour en venir directement à sa pensée, Gobineau soutient que les civilisations et les cultures ne naissent pas par hasard. Elles ne tombent pas du ciel toutes faites et inaltérables. Elles ne sortent pas non plus ex nihilo d'une société ou d'une nation. Pour qu'il y ait apparition d'une civilisation, il faut qu'il y ait au départ un élan vital. Il faut qu'il y ait un mouvement, une énergie, une capacité mentale. Et tout cela, pour Gobineau, est une affaire d'hérédité. On ne peut pas imaginer
qu'un mouvement civilisateur se produise sans que le sang... Pour lui, il ne parle que de sang parce qu'il ne connaît pas les gènes. Mais nous, pour nous, évidemment, cela nous conduit à réfléchir avec les termes de la génétique moderne. L'hérédité, pour Gobineau, est donc absolument essentielle. C'est elle qui explique l'apparition des civilisations. C'est ça, il a une conception organiciste de l'histoire. Absolument. Et comme ce sont ce qu'il appelle les héros des grandes époques, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y a des personnages pas forcément très nombreux, mais qui relèvent d'une certaine homogénéité biologique et héréditaire, et qui sont à l'origine d'une poussée civilisationnelle ou culturelle. On peut prendre l'exemple des Incas dans les Andes, il le donne lui-même. C'est un exemple qu'il fournit lui-même. Que se passe-t-il dans les Andes, brièvement? Il y a un très petit nombre de tribus, peut-être même une seule tribu, peut-être à l'intérieur de cette tribu une seule famille, la famille de l'Inca, qui va créer une extraordinaire civilisation. Elle sort de là, elle ne sort pas d'ailleurs. Elle n'est pas venue sous l'influence d'autres civilisations. On peut aussi dire que la civilisation grecque a peut-être bénéficié d'influence égyptienne, certainement. Mais là encore, en Grèce, il faut bien regarder comment naît cette civilisation extraordinaire qui deviendra le socle pour nous de la civilisation occidentale. Pour Gobineau, il ne fait aucun doute que c'est une hérédité psychique. Et je voudrais ajouter une chose qui est très importante. Dans cette suggestion, dans cette idée, cette conception que la culture et la civilisation ont une origine héréditaire, il n'est pas le seul au XIXe siècle. Il y a deux autres noms qu'il faut associer immédiatement à cette explication gobinienne. C'est Darwin. C'est Charles Darwin. Charles Darwin est un contemporain de Gobineau. Ils vont mourir la même année, l'un et l'autre, en 1882. Et Darwin va publier « De l'origine des espèces », quatre ans après, l'essai sur l'inégalité des races humaines, à tel point même que Gobineau dira « Darwin m'a volé mes idées ». Mais il faut aussi l'associer absolument Gobineau à Nietzsche, à Frédéric Nietzsche. Oui, bien sûr, oui. Pour Nietzsche, il est évident que l'humanité est en déclin et que ce déclin, il est dû au mélange des races. Car pour en venir finalement au terme employé dans le titre du livre, il est bien évident que pour Gobineau, si les civilisations naissent avec tant de force et se prolongent autant grâce au fait que, par exemple, la nation où est née cette civilisation conserve sa base ethnique, conserve sa matrice anthropologique, cette culture ou cette civilisation va perdurer. Mais elle est expansionniste par définition. Et par conséquent, cette expansion territoriale, par exemple, qui va découler de l'expansion civilisationnelle, va mettre le peuple d'origine, le peuple créateur, au contact d'autres peuples. Et c'est là où l'inégalité des races intervient. Ce n'est pas que Gobineau critique l'inégalité des races. Ce n'est pas qu'il jette l'opprobre sur les races qui ont des civilisations moins performantes. Pour employer l'excellente formule d'André Perrin, les civilisations qui ont fait progresser l'humanité. Mais oui, toutes les civilisations n'ont pas fait progresser l'humanité, mais celles qui ont fait progresser l'humanité, souvent elles se sont répandues en dehors de leurs frontières. Bien sûr, oui. Et c'est là que les mélanges, selon Gobineau, les métissages et les mélanges de civilisations vont faire changer complètement la donne. Et on arrivera à un déclin de la civilisation parce que l'origine, les héros des grandes époques ne peuvent plus biologiquement intervenir dans la nouvelle population qui est en train de se former. – Alors on voit quelle va être la postérité d'un ouvrage de ce genre, on pense à Houston Stuart Chamberlain en Allemagne évidemment, et puis alors évidemment ultérieurement bien sûr, on a assimilé Gobineau à une sorte de prophète de ce qu'allait devenir le racisme au XXe siècle, mais Gobineau
En même temps qu'il se consacre à ses travaux qui aboutiront à l'essai sur l'inégalité, il poursuit son travail de diplomate. On va le retrouver dans des séjours particulièrement intéressants ou significatifs pour lui, d'abord en Grèce. Absolument. Que lui apporte en quelque sorte ce séjour en Grèce tout au long de son parcours ? Ce séjour en Grèce lui apportera énormément. Il est un amoureux de la Grèce. Il va écrire un livre magnifique dont il faut recommander la lecture aussi, qui s'appelle « Au royaume des Hellènes », qui est un ouvrage à la gloire de la Grèce éternelle. Et lorsqu'il est en poste à Athènes, il va adorer cette fonction. Elle est difficile parce que la Grèce est dans un état politique compliqué. Et en tant que représentant de la France, c'est-à-dire une des trois puissances tutélaires du jeune gouvernement grec, à l'époque c'est un roi danois qui est sur le trône de Grèce, il aura énormément à faire, mais il aura aussi tout ce que le pays lui apporte. Il va le visiter, il va être profondément ému par la beauté de la Grèce, il va être renforcé dans l'idée qu'au fond, cette culture grecque, elle a incarné tellement de choses, et en particulier la beauté anatomique, physique. Il fera de nombreuses allusions à la beauté de la statuaire grecque. Il la considérera comme l'idéal de la beauté physique. On peut discuter, naturellement. On peut avoir une idée contraire. Mais il sera frappé par la beauté des vestiges qu'il trouvera à Athènes. Il faut penser que la ville se libère à peine de l'emprise ottomane à cette époque-là. Puis c'est l'époque de l'essor de l'archéologie grecque. Absolument. Qui permet de ressusciter Absolument. En quelque sorte ce passé lointain. Il y a un point sur lequel je voudrais insister également, c'est le fait que Gobineau va être témoin, voire d'une certaine manière acteur, du grand désastre qui intervient en 1870. Je dis acteur parce qu'il était maire à l'époque de Trichâteau. Exactement. Dans le Vexin. Et là, il va donner un compte-rendu de l'événement qui va être particulièrement sévère. Un diagnostic extrêmement sévère pour la France de l'époque, dans ce qui est arrivé à la France en 1870, texte bien oublié aujourd'hui, mais qui, apparaît un peu en amont comme assez proche de ce que pouvait écrire Marc Bloch en 1940 dans son étrange défaite. Mais absolument. Il est, encore une fois, extrêmement sévère pour le pays. Quel est justement son diagnostic pour expliquer le désastre de 1870 ? Il est extrêmement sévère pour son pays, mais comme nous le disions, je crois, c'est parce qu'il aimait trop la France. Et il a vécu, il faut bien comprendre, je reviens tout de suite à 1870, mais son père lui a raconté la Révolution. Il a vécu les révolutions de 30 et de 48, 1830-1848. Puis il va assister à la défaite de nos armes en 1870. Quelle explication donne-t-il ? Lui-même est extrêmement surpris. Il était persuadé que la victoire reviendrait facilement à la France. Il avait mal étudié le rapport des forces. La nostalgie de l'épopée napoléonienne. Oui, sans doute. Et il revient, alors dans ce livre très dur, ce qui est arrivé à la France en 1870, il dit que, évidemment, la société française et surtout ses dirigeants ont été lamentables et qu'on a, au fond, tout fait, même alors que Gobineau avait plutôt une certaine sympathie pour Napoléon III. Il trouve que tout compte fait, on a tout fait pour amener le pays à un état de faiblesse qui peut-être ne se discernait pas au quotidien, mais qui s'est révélé brusquement avec le choc franco-prussien. Il va le déplorer. Il a lui-même vécu, si vous voulez, dans le détail, cette débandade, puisqu'à Trie,
et dans le département de l'Oise, il a essayé de mettre sur pied des milices, et il a vu ce que donnait un travail de, au fond de mobilisation, le désordre effarant, et comme vous disiez, très près de, Marc, de ce qu'a écrit Bloch sur l'étrange défaite, on retrouve tout à fait cela à 70 des ans. Des accents un petit peu. Absolument. Des accents un petit peu. À 70 ans de comparable. Distance. Donc une vision assez pessimiste des choses. À la différence, pessimiste. À la différence de ce que propose un Renan dans sa réforme intellectuelle et morale. Absolument. Absolument. Gobineau porte un diagnostic, constate un état de fait, et quelque part tout cela le confirme dans les idées que progressivement il a formulées tout au long de son parcours intellectuel. Il y a un point également, il nous reste très peu de temps, que l'on pourrait évoquer, c'est sa présence au Brésil. C'est très intéressant, en effet. Nommé ambassadeur de France au Brésil, ministre, il va en somme vivre en vraie grandeur sa conception des races, et il va détester le Brésil parce qu'il y voit justement un pays complètement métissé et dont il pense que ce métissage le conduit ce pays qui est magnifique, qui est immense, qui a plein de ressources, le conduit au désastre. Il reviendra sur cette opinion. Lorsqu'il sera ministre en Suède, il écrira des articles beaucoup plus favorable au Brésil, dont il a visité un certain nombre de régions économiques et dont il a pensé qu'avec une immigration européenne, le Brésil pourrait donner quelque chose de très important. – Qui était en train de se mettre en place d'ailleurs, notamment dans, le sud du pays. – Mais il faut dire, si je peux ajouter juste un mot, que lorsqu'il est arrivé au Brésil, il a eu cette idée extraordinaire, il a dit « mais ma théorie des races, je vais l'illustrer d'une façon supplémentaire, je vais comparer l'Amérique du Nord avec son héritage anglo-saxon, et puis l'Amérique du Sud avec son métissage entre espagnol, noir et indien, portugais, et je vais établir de manière définitive ce que j'avais écrit et annoncé dans l'essai sur l'inégalité des races humaines. Il ne l'a pas fait. Merci beaucoup, Jacques Bressler, pour cette présentation de Gobineau. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Dans la collection « Qui suis-je » aux éditions Pardès, donc un Gobineau. Et puis aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, « Lire Gobineau aujourd'hui ». Merci. Merci, Guy Conrad.